une fois qu'on a bien fixé ses objectifs de pourquoi on veut faire un couvert, on va regarder l'analyse effectivement agronomique, climatique. Est-ce que telle et telle espèce va pouvoir pousser effectivement dans mon sol? Est-ce que sur les sols calcaires, les sols acides, ben déjà on va avoir peut-être des choix d'espèces différentes. Est-ce qu'effectivement la plante va être sensible au gel ou pas? Est-ce que la plante va résister aussi à l'état de sécheresse ou pas, vu qu'on est quand même dans des situations de manque d'eau fort? Donc les grandes familles, effectivement, c'est les graminées, les légumineuses et les crucifères. Par exemple, les crucifères qui vont être là plus pour décompacter en profondeur par rapport aux graminées qui restent beaucoup plus en surface. Les légumineuses, elles, qui sont plus un apport effectivement plus de masse, de matière verte et de pouvoir fixer effectivement l'azote de l'air.